de gosse. Tout semble faisable, mais ça marche pas. Les moves, je galère, j'arrive à peine à les faire un par un et c'est assez aléatoire, donc je vois pas comment je vais enchaîner la section. C'est plus dur que ce que t'avais imaginé. Ouais, je sais pas trop comment encore je vais m'en sortir et je sais pas si ça va être faisable pour moi, quoi. On va voir. Actuellement, j'essaie une voie au Pic Saint-Loup, donc c'est à côté de chez moi, dans la région Montpellier-Rennes. D'une part, en fait, parce qu'on a été confronté à cette crise un peu du Covid qui nous a tous restreints à rester chez nous. Et ensuite, d'autre part, parce que ça m'a porté à réflexion sur le fait qu'en restant à côté de chez moi, j'allais pas retrouver les mêmes sensations qu'en voyage. Mais en fait, de trouver un challenge à côté de la maison, l'aventure, elle était à côté de la maison. Grimper à côté de chez moi, je le faisais déjà avant, en fait, en période d'entraînement, sur des petits projets. Mais ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas fixé une voie de mon niveau maximal ou même d'un niveau un peu au-dessus à côté de chez moi. En termes de difficulté, je pense que cette voie est similaire aux voies les plus dures que j'ai fait, à savoir Mouve en Norvège et l'Arrache d'Adam dans le Verdon, toutes deux 9B, 9B+. Je me suis fixé comme projet Beyond. C'est une voie de Frédéric Ferraro qui a quelques années déjà. Elle est en plein milieu, dans la partie la plus dévers. Et petit à petit, ça se redresse. Il y a un premier relais en haut d'une magnifique colo. Et s'ensuit donc une deuxième partie très dure, très bloc et très très compliqué à défricher. Voilà, c'est très compliqué de savoir ce qu'il faut faire là-haut. J'ai passé beaucoup de temps pour comprendre les mouvements. Le Pic Saint-Loup, en général, c'est une face nord qui est ventée, donc ça grimpe printemps, été, automne, voilà. Là, on arrive dans une période un peu compliquée, donc on est en plein automne, et je commence à avoir un peu la pression temporelle, même si on est à la maison, parce que je sais que l'hiver, cette face, elle n'est pas très praticable parce qu'il fait trop froid et que c'est mouillé. Si jamais j'arrive pas à la faire avant la fin de la saison, bah, ça sera reparti pour l'année prochaine. Attends. Ah, je suis pas chaud en doigt, hein, putain. Oh, ça va être dur. Ok? Premier crux, je pense, c'est un petit 8 à bloc, 7C plus 8 à bloc. C'est genre 4 moves sur des petites réglettes. Et on finit sur une petite verticale. Et là, faut jeter très loin sur un bac. C'est assez impressionnant, mais ça marche bien. Derrière, il y a quelques mouvements un peu de rési, une décontraction. Et puis là, il y a encore un 8 à bloc. Genre, sur, faut prendre deux pinces qui sont pas trop mauvaises, une inter et la dynamiser sur une réglette qui est pas trop mauvaise, mais tellement loin qu'on l'a pas bien. Et une fois qu'on a cette réglette, il faut arriver à remonter une lolotte pour prendre une inter et aller dans un bac et jeter sur une colo. Et ça, je pense que dans la rési, c'est très très compliqué. J'ai mis des essais et pour l'instant, je tombe là. Donc je pense que c'est le crux de la première partie. Et après cette énorme colo, il y a une dernière casquette. Et c'est là la deuxième partie, c'est vraiment là le crux de Beyond Intégral, quoi. Faut se battre sur des petites inverses, épaules,
inversé, on perd les pieds et c'est vraiment très bizarre quoi, ça se joue sur des non-prises et on a des gros pieds. En haleine, c'est surtout d'avoir quelque chose qui me challenge, quelque chose qui est un peu au-dessus de mon niveau et quelque chose qui va me faire progresser en escalade. Voilà, c'est plus la bataille contre moi-même que la bataille pour une cotation que je privilégie. Cette voie, vraiment, elle est d'attrait mondial. Je pense que ça va être une king line, comme on dit. Une des différences entre des projets lointains et des projets à la maison, c'est qu'on est plus reposé, on prend le temps de bien dormir, de bien s'écouter, et surtout, on a le temps de bien s'entraîner entre les différentes sessions dans la voie. Thank you.
un projet à côté de la maison. Je pensais que j'allais un peu m'ennuyer parce que j'avais fait le tour. Puis en fait, j'ai redécouvert le même processus qu'en voyage. Et c'était pareil, quoi, la même excitation, la même envie de se projeter, la même envie de progresser pour faire une voie. Donc ouais, c'était marrant, quoi, de faire ça à la maison. Et puis je suis super content de développer le coin aussi. Au niveau de la cotation, je suis assez frileux. Parce que bah, ça me paraît être voilà, le niveau le plus dur que j'ai fait. Au fond de moi, je pense un peu 9B+, mais j'ai pas d'expérience dans le 9B+. Et par peur un peu de me tromper, je pense que je vais slasher à 9B, donc 9B, 9B+. Mais voilà, j'attends de voir un peu les gens qui vont venir essayer. Et ça serait cool que ça donne un peu de motif pour les autres, quoi. T'as lancé les invitations ? Donc j'ai envoyé les cartons d'invitation maintenant. On va voir si les gens se déplacent.